Yo tout le monde, j'espère que ça va. Là, je vais aller déposer la Skoda de ma petite sœur. Enfin, là, je suis dans ma M4 et elle est en train de me suivre. J'ai dû la semer, frérot. Figurez-vous qu'il y a encore un nouveau problème avec cette voiture. Cette fois-ci, une fuite de liquide de refroidissement. Voilà. Et on va en profiter pour lui faire les jantes, la carrosserie, etc. Parce que j'ai remarqué quelque chose sur la voiture d'assez inhabituel. Et on va l'interroger quand on arrivera au point de destination. Ensuite, le premier. J'ai rendez-vous chez Skoda direct pour faire une mise à jour de tout le système parce que on a depuis 6 mois le détecteur d'angle mort qui ne marche pas. Alors Skoda ils ont fait leur max, hein, ils sont très gentils, mais le rendez-vous c'est le 1er août, ils sont saturés donc on va attendre, mais je vais quand même déjà faire réparer cette putain de fuite parce qu'évidemment c'est le plus important. Voilà, ça c'est la première chose. Autre chose, j'aimerais bien que vous alliez voir cette vidéo, la famille, qu'un maximum de la communauté puisse aller donner son avis, parce que c'est important. Il s'agit de la suite de mes vidéos sur ma chaîne. J'aimerais bien qu'on cible vraiment, enfin, j'aimerais bien cibler vos attentes vraiment en termes de modèle, etc. Parce que bah, c'est avant tout pour se faire plaisir. Donc voilà, si vous pouvez prendre 2 minutes, aller poser votre petit commentaire, me dire quelle voiture vous préférez. Comme ça, nous, on peut d'ores et déjà dans le planning commencer à chercher, puis surtout que ça donnera sûrement des idées à ceux qui sont possesseurs de ces voitures-là et qui aimeraient bien passer sur ma chaîne. Voilà, on continue la petite après-midi folle. Et pour parler de la Z4 du concours avec le Lynx.fr, je vais m'en occuper dès demain. Alors, il y a vraiment, vraiment rien à faire, mais moi, j'ai envie quand même de lui faire un petit lavage. C'est un petit lavage maison, tu vois, intérieur, extérieur. Et puis voilà, et franchement, c'est pas parce que on fait gagner cette voiture, mais cette nuit, j'ai été pris, frérot, en flagrant délit, en train de regarder les annonces sur le bon coin. Ah, j'ai trouvé des pépites. Pour moi, hein, tu vois. Mais voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a la nouvelle, la G89. Elle est... Il y a quelque chose, mais voilà, tu vois. Mais un beau Z4M, là, frère, je me vois trop bien dedans. Mais le truc, c'est que c'est très rare et que c'est des caisses qui vont coûter dans les 40 000 balles maintenant, tu vois. Mais c'est vrai que, putain, de remettre mon cul dans une Z4, je me dis, ah, c'est tellement bien, tu vois. C'est petit, c'est câble, c'est propre. On verra bien, on verra. Calme-toi, calme. C'est quand même beau, c'est bon. Et je reçois beaucoup de messages là en ce moment où les gens me demandent ce que j'aimerais comme voiture, est-ce que je vais changer bientôt ou quoi que ce soit. Franchement, frérot, M4 compétition, c'est très bien comme voiture, tu vois. Donc, celle-là, vraiment, j'ai envie de la garder parce que je suis bien avec, tu vois. Elle est toute neuve, elle doit avoir, je sais pas, peut-être 2500 bornes ou 3000 bornes maintenant, tu vois. Elle est vraiment bien. Mais le M3 break là, mec, c'est une orgie, frère. Je sais même pas si j'aime mieux ça qu'un RS6 en fait. Puis après, petit cabriolet, tu sais, mais je sais pas quoi. Si vous avez des idées, frérot, je suis preneur. Mais là, je suis bien, franchement, grâce à Dieu. J'ai pas la folie, tu sais, comme j'ai de temps en temps, ah, je veux acheter, je veux changer et tout. Là, je suis bien. Bonjour Chris. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la voiture de Lara? Il y a un petit problème de liquide de refroidissement sur le circuit hybride. Donc c'est pire, oui, que si c'était le système de refroidissement. Ça peut faire des belles flammes. Donc on a eu raison de venir. Exactement. Lara, est-ce que tu peux maintenant aujourd'hui avouer ce que tu as fait avec la voiture? D'accord, alors je vais raconter moi-même l'histoire de ce qu'elle a fait avec la voiture. Si vous regardez l'avant de la voiture, vous remarquerez que c'est assez subtil, mais là, ensuite, là, bah c'est étrange. Qu'est-ce que Lara a fait? Bah Lara est rentrée dans le portail de la maison de plein fouet. Oui, oui, c'est ça, oui. Mais c'est pour ça. Non, mais c'est vrai, en vrai, personne l'a, celui-là. C'est vrai, parce que je te jure, Foufi, ouais, j'avais pas remarqué. Bah, écoute. Tu sais que celui-là, il est très rare, bravo. Bah, écoute, on a du goût, hein. C'est incroyable, j'avais... Oh là là. Ouais, c'est vrai, je vois le détail, le détail. Je me suis dit, ah, crème, il a fait un petit cadeau à Foufi, et moi, il m'a pas fait de cadeau. Oh. Ah, c'est toi, sale menteur. Oh, mon gâté, chef. Moi, je suis très gâté, moi. Mon chef. Tu vas où, mon chef? Tu vas travailler? C'est quoi que t'as ramené, la belle BM? Qu'est-ce que c'est beau, ça? Elle est bientôt en vente chez Riri, les gars. C'est vrai? 160 000 km au combien tu vas vendre ça? Je sais même pas ce qu'il va ça vaut. Ah, je peux bien te donner 10 000 balles en laisse.
C'est que ça, c'est tellement bien. 730D. Alors c'est dommage que ça soit un 730D. Oh, regarde la beauté de l'auto de mort. 260 000 km, carrément. Oh là là, elle est neuve. Un bon petit coup d'aspirateur.